Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez? Une? Le vélo doit. Je vois. Une image. Très bien. Alors, regardez bien l'image. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Qui est-ce? Oui, Ilyes? Oui, vous voyez, je vois, répète la phrase. La phrase. Oui? Répète, je vois. Oui? Répète, Mohamed. Je vois Idré et sa maman. Répète, Ilyes. Je vois Idré et sa maman. Alors, regardez, Itri. Qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, le vélo doit, le vélo doit. Nordine, il? Khalid? Il mange des fruits. Oui? Quel fruit? Il mange quel fruit? Est-ce qu'il mange des oranges? Qu'est-ce qu'elle mange? Il mange des abricots. Très bien, il mange des abricots. Alors, où Itri passe-t-il ses vacances? Où Itri passe-t-il ses vacances? Les autres. Où Itri passe-t-il ses vacances? Oui? Itri passe ses vacances. Allez! Itri passe ses vacances. Ses vacances. Ses vacances. Chez ses grands-parents. Très bien. Alors, ses grands-parents, où habite-t-il? Le vélo doit. Est-ce qu'il habite dans la ville? Non. Mariam, ses grands-parents habitent? Habitent? Au? On ne dit pas en. Au village. Au village. Il habite au village. Il habite au village. Alors, Itri et sa maman passent ses vacances. Oh, non. Itri passe ses vacances au village chez ses grands-parents. Très bien. Alors, que lui arrive-t-il ici? Où est Itri? Dans cette image. Où est-il? Levez le doigt. Il est où? Il est dans? Dans le salon. Dans le salon, bien, dans sa? Dans sa salon. Non. Fatima, Mayem, dans sa? Dans sa chambre. Oui? Dans sa chambre. Chambre. Dans sa chambre. Il est dans sa chambre. Alors, qui est assise à côté de lui? Regardez. Qui est assise à côté de lui? Levez le doigt. Qui est assise à côté de lui? Qui est assise à côté de lui? Assise. Non, qui est assise à côté de lui? Oui. Alors, sa maman, ça. Sa maman. Est assise. Sa maman est assise. Près. À côté. À côté de. Et, très bien, Khalid. Applaudissez, Khalid. Applaudissez. Très bien, Khalid. Oui. Alors, sa maman est assise à côté de lui. Très bien. Maintenant.
fait-il chaque jour au village? Itrik, silence, première année. Que fait-il chaque jour au village? Qu'est-ce qu'il fait au village? Qu'est-ce qu'il fait chaque jour? Qu'est-ce qu'il fait? Il mange des abricots. Est-ce qu'il se promène dans les champs? Il se promène dans les champs. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Fatima? Très bien. Est-ce qu'il mange peu d'abricots? Peu? Non. Elias, qu'est-ce que tu fais? Fais attention. Quoi? Beaucoup. Oh bien, trop d'abricots. Trop d'abricots. Il mange trop d'abricots. Il mange trop d'abricots. Que lui arrive-t-il lorsqu'il a mangé trop d'abricots? Que lui arrive-t-il? Il tombe. Ah, répétez ça. Première année. Répétez ça. Il tombe malade. Très bien. Répète. Il tombe malade. Raja. Il tombe malade. Très bien. Alors, que fait sa maman? On passe à la deuxième image. Attendez. Levez le doigt. Attendez la permission. Alors, regardez cette image. Que fait la maman? Levez le doigt. Raja? La maman l'emmène. Répète. La maman l'emmène. Très bien. Répète, Mohamed. La maman l'emmène. La maman l'emmène au dispensaire. Très bien. Qu'est-ce que c'est qu'à dire un dispensaire? Est-ce que c'est un grand hôpital? C'est un petit hôpital. Oui, ce petit hôpital, il se trouve au village. Il se trouve au village. Le grand hôpital, il est dans la ville. Il est dans la ville. Au village, il y a le petit hôpital qu'on appelle le dispensaire. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez un dispensaire ici? Non. Et celui-là qui est là, c'est pas un dispensaire? Oui.
Celui-là qui tarde là. C'est un dispensaire, oui. Oui. Vous connaissez maintenant le dispensaire. Qu'est-ce que c'est qu'avait dire un dispensaire? Oui. Votre dispensaire, il est tard là. Il est tard là. Ou non, oui. Très bien.